moi maintenant. Hey ! Ces babioles ne valent pas la peine de se battre. Dès qu'on trouvera cette porte, on sera riche comme Crésus. Allez, au travail. Capitaine Rose a fini par l'attraper. Léon, il paraît qu'il a tué deux de nos hommes. Qui a volé ce bracelet? Donne-le-moi. Je t'ai vu le couver du regard. J'aime ce qui est beau, mais je ne suis pas un voleur. Vite tes poches. Quelqu'un de ton épée va mourir. Il se passe quelque chose. Pas déranger le repos des rois. Ne me dis pas que toi aussi tu crois à ces ridicules histoires de fantômes. J'en ai vu un en bas. C'est la nuit qu'ils se montrent. Ouais, je me demande combien de verres tu avais bu.
sang. Tu as déjà vu les nobles, Léon. Tu les as déjà entendus parler. Ces gens-là descendaient de Dieu. Quand ils pissaient, c'était de l'or qui remplissait leur pot de chambre. Alors, Léon. Des fontaines de rubis se sont déversées de leur cou pour arroser toute la France. Et maintenant, un homme issu du pire des bas-fonds peut gravir le sommet de l'Olympe. Lâche-moi, crétin! C'est ça que tu veux, petit homme? Gravir l'Olympe? Je sais qui tu es. Un ambitieux. Tout comme moi. Rose? Commandant Bonaparte? Vous avez du nouveau? J'ai ceci. Trouvez la porte, couvre cette clé, et je vous récompenserai au-delà de vos rêves les plus fous. Dieu protège cette porte! Voilà donc notre petit importun. Qui traitez-vous de petit? Je suis presque aussi grand... Tu dois apprendre à être plus diplomate, mon garçon. Rose, je vous laisse le ramener à la surface. Bien sûr, commandant. Là. Quoi? Non! Lâchez-moi! M'occupe-t'en! Ce n'est qu'un enfant, et moi je suis père de famille! Le fantôme des rois! Moi qui comptais sur l'effet de surprise. Ce trésor m'appartient! Je vais te bouffer en deux! Je ne suis pas un fantôme. C'est Madame Margot qui m'envoie. Madame Margot? Tu essaies de me brouiller l'esprit! Un intrus! Ah, je suis croyant! Fuir, mais... Là-bas! Percé.
doutes toujours? Dépêche-toi, il faut se cacher! Pas si vite. Je cherche un manuscrit. Il a été pris dans un tombeau, sous la basilique. Oui, je l'ai. Nous irons le chercher dans ma forteresse plus tard. Comment t'as appris tout ça? J'ai jamais vu personne se battre comme toi. Tu vas me faire rougir. Où t'es-tu entraîné? À Paris. Wow. Moi, je m'entraîne derrière la maison. Mais personne n'est en mesure de m'aider. Tous ceux qui se battent sont à Paris. Comme toi. Et qu'en pense ta mère? Madame Margot? C'est pas ma mère. Ma mère est une morisque. Elle a dû retourner en Espagne. C'est pour ça que j'ai fini à l'orphelinat. Je suis sûre que mes parents reviendront quand l'enfance ira mieux. Par ici, viens! Il va d'abord falloir qu'on se trouve des armes. Mon petit, laisse faire le spécialiste. Où as-tu trouvé ça? Je l'ai volé à des pilleurs, hier. Et je l'ai caché ici. C'est une belle arme. Oui, je sais. Je sais ce que je fais. C'est-à-dire? Je sauve la France. Maintenant que tu es là, ça va être beaucoup plus facile. Écoute. Quoi? Nous devons d'abord récupérer ce manuscrit. Parce que nous devons le protéger des ennemis de la France. Oh, d'accord. Il faut qu'on remonte à la surface. Tu es malin, mais ne te crois pas trop malin. Malin, mais ne te crois pas trop malin. Ça, hein?
quelqu'un d'autre de mourir. Oui. C'est plus fort que les héros des histoires. Parce que ces histoires n'ont rien de vrai. La sortie est par là. Je crois. Personne d'important ne s'intéresse à nos activités. La rumeur court que le marquis de Sade aurait cherché à en savoir davantage. Oubliez les rumeurs. Il est ruiné et privé de sa liberté. Pourquoi faites-vous appel à quelqu'un comme Rose pour trouver le temple? Il n'a que faire de nos dessins. À votre place, je ne m'abaisserai pas avec que quelqu'un comme... Que désirent les rats? De la nourriture, bien sûr. Vous songez à leur intérêt personnel. Mais... vous vous trompez. Et voilà qu'ils sont morts. Je connais... l'animal humain. Ce qu'il craint. Ce qu'il aime. Rose est-il mauvais? Assurément. Mais moi, Napoléon Bonaparte, je peux le contrôler et le mettre au service de la France. Les gens s'empresseront de renoncer à leur liberté s'ils entretiennent l'espoir de se hisser au sommet. L'artefact que renferme le temple leur donnera cet espoir illusoire. Et je nous conduirai vers la gloire. On doit l'arrêter et sauver le peuple de France. Les sauver ne ferait que retarder l'inéluctable. Pourquoi dis-tu cela? Tu veux vraiment sacrifier ta vie en vain, petit homme? Si tu as peur, eh bien pas moi! Arrête, Léon, reviens ici. Où es-tu?
Qu'est-ce qui se passe? Les oreilles ne m'ont jamais trahi. Je vais te refaire le portrait. J'ai pris modèle sur les gargouilles. Ah, vous et vos esprits. La libre. Thank you.
parole. Reviens ici avec ça. Au voleur. Donne-moi le manuscrit. Pourquoi ? Je croyais que tout cela ne servait à rien. Je vais quitter le pays. Ce manuscrit est mon sauf-conduit. Tu ne penses pas à l'avenir ? Une France libre où chacun veillerait sur son voisin. Grandis un peu, petit homme. Oublie la France. Pense plutôt à toi. Qu'est-ce qui a bien pu te rendre aussi égoïste ? Tu ne peux pas les sauver. Ils ne reviendront pas. Tu ne vaux vraiment pas mieux qu'eux. Okay.